Pauline Martin, maire de Mains-sur-Loire, première vice-présidente du département du Loiret. J'ai aussi l'honneur de présider la communauté de communes de 50 000 habitants de ce territoire. Alors, je l'accueille chaleureusement parce que je pense que la défense de toutes ces causes un peu méconnues, qui impactent quand même pas mal de familles, et en tout cas les familles qui sont impactées le vivent difficilement au quotidien, est extrêmement important. Alors, comment je l'ai connue? Tout simplement parce qu'il y a à Mains-sur-Loire des administrés qui sont concernés et qui se battent au quotidien pour cette cause. J'ai envie de dire que la différence, on la vit au quotidien tous. Hein. On est tous différents et je dirais on a tous des signes distinctifs, et je pense que c'est ce qu'il faut que nous retenions aujourd'hui, c'est que nous avons tous à combattre le regard des autres. Oui, c'est la troisième fois que je participe aux Journées nationales de la NGC. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver les membres de l'association dans une ambiance qui est généralement très chaleureuse. Et ça fait toujours très plaisir également de voir l'intérêt et l'attention que porte l'assistance aux conférences sur des sujets qui sont pourtant pas très faciles. Le névusion congénital, c'est des tâches de naissance. Tâches de naissance qui sont comparables à des grains de beauté puisque ce sont les mêmes cellules. On appelle ça des névus. Névus géants, puisque par rapport aux grains de beauté que chacun connaît, là, les tâches prennent des proportions très importantes, peuvent couvrir une grande surface du corps et peuvent également s'associer chez certaines personnes à une atteinte du système nerveux central, une atteinte neurologique qui peut avoir ou non des conséquences. Qu'est-ce qu'il faut traiter déjà et comment et pourquoi traiter? Eh bien, le névus congénital a deux types de problèmes. Il y a le problème qui va éventuellement prédisposer à l'apparition de tumeurs. Donc pendant de nombreuses années, on a beaucoup insisté sur ce problème-là. On se rend compte aujourd'hui que ce risque de développement de tumeurs, même s'il existe, est relativement faible et la majorité des personnes n'en développeront jamais. Le deuxième aspect, c'est l'aspect esthétique. L'aspect esthétique, il est très important. Là, à nouveau, on a aussi peut-être eu tendance à le minimiser, à l'inverse, mais on se rend compte qu'il y a des impacts psychologiques importants du fait d'avoir des tâches de naissance, quelle que soit d'ailleurs sa position sur l'organisme. Donc c'est les deux, on va dire que c'est les deux branches, les deux versants du traitement et de la prise en charge des patients atteints de névus géants congénitales. Donc comment eh bien, lorsque le névus est situé sur des zones où il est particulièrement gênant esthétiquement, on peut proposer une chirurgie. Pas toujours, cette chirurgie n'est pas toujours indispensable. Et lorsqu'on la fait, c'est essentiellement pour des raisons esthétiques. Alors je pense que la première chose pour la découverte d'un enfant atteint d'un névus à la naissance, c'est d'avoir le maximum d'informations et l'information de la meilleure qualité possible. Or, il s'est avéré par le passé que ça pouvait être difficile d'avoir de l'information et beaucoup de parents nous ont fait le retour d'un défaut d'information à la naissance. Donc je pense que c'est là que les associations interviennent. Je m'appelle Christine Ortega, j'habite dans l'Oise et je fais partie de l'association depuis sa création en fait en 1995 puisque notre fils Simon est né en 90 et lorsque l'association s'est créée au sein de l'hôpital Necker avec les parents qui étaient présents à ce moment-là, j'étais présente parce que mon fils était opéré. Donc notre association a pour objectif essentiellement de regrouper les gens, de regrouper les familles parce que plus on avance dans le temps, plus on a de retours des familles que l'on côtoie depuis un certain nombre d'années, plus on se rend compte que c'est ce lien qu'on a créé entre nous et les échanges qui ont eu lieu entre les personnes, entre les adultes, entre les enfants, qui font à la fois la richesse de l'association évidemment, mais qui font aussi la force que l'on obtient, que l'on se donne pour faire face aux difficultés qui vont avoir lieu ultérieurement. Les autres missions de l'association qui sont venues parallèlement à celle-ci, c'est de faire connaître le névus géant. Donc nous, il nous faut encourager la recherche pour faire avancer les protocoles de soins aux enfants. En fréquentant aussi d'autres associations dans d'autres pays, je me rends compte que les attitudes ne sont pas toujours les mêmes, d'un pays à l'autre, mais d'une personne à l'autre non plus.
Au départ, on avait l'impression qu'il fallait absolument opérer, enlever ce névus qui fait peur. Et puis, finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu avec, sans savoir qu'on pouvait opérer, qui vivent aussi avec aujourd'hui en faisant le choix de porter ou d'assumer cette différence. Et c'est aussi important. Mais tous les choix sont possibles et tous les choix sont respectables. Je viens de Saint-Jean-d'Arvers, un petit village de Savoie. Je suis papa d'une fille porteuse de névus géant, enfin une petite fille à l'époque, mais aujourd'hui qui a bien grandi puisqu'elle a 23 ans, donc ma fille est née en 95. Et tout de suite, en 1996, on a compris l'intérêt de se réunir entre parents concernés par ce problème du névus de façon à pouvoir échanger nos astuces de vie quotidienne autour des opérations et autour du regard des autres, etc. On a mis en place une première rencontre des familles avec un objectif très très fort, puisqu'on a fait objectif Mont Blanc pour un jeune enfant qui avait 11 ans à l'époque, porteur de névus géant, multi-opéré, et on a réussi l'ascension du Mont Blanc avec ce petit Jérôme. Et autour de ça, on a rassemblé vraiment plusieurs familles à Chamonix, et de là est partie cette fidèle rencontre des familles aujourd'hui qui a plus de 22 ans et qui se tient toutes les années dans différentes régions de France. Et aujourd'hui, ben, ça perdure puisqu'on a quatre vaillants alpinistes et randonneurs de l'association qui sont en train de préparer l'ascension du volcan du Cayambe en Équateur. Avec mon fils, on a participé à des mini-raids en montagne avec la famille de Savoie qui crée ces mini-raids et montrer... Enfin, pour mon fils, voilà, gravir un sommet, c'était gravir une étape, c'était se montrer à lui-même qu'il était fort, qu'il pouvait lutter contre quelque chose de difficile. Et c'est ça la force de nos rencontres. Et ça, pour moi, les ascensions, ces mini-raids très bien organisés à l'échelle des enfants ou des non-sportifs que nous pouvons être, ça a créé des liens très forts. On a vécu ensemble, on a sué ensemble, on a mangé, dormi ensemble et on a souffert et on a été heureux ensemble. Et tout ça, toute l'année, ça vous accompagne pour faire face aux difficultés, quoi, pour faire face aux épreuves qui peuvent suivre ou ne pas suivre. Mais voilà, c'est inscrit dans le cœur. J'ai eu un petit garçon en 95 atteint d'un névus géant sur le visage, la moitié du visage. Donc c'était un névus très compliqué. On a cherché l'information à cette époque-là. C'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas Internet qui aujourd'hui aide énormément. Et par hasard, une amie de Bretagne a vu un article dans une revue de parents qui disait si tu cherches de l'information sur le névus géant, appelle-nous, Association du névus géant. Aujourd'hui encore, c'est rare, mais des fois, les parents entendent des choses pas vraies, fausses, qui font très mal aux parents, comme profiter de votre enfant parce qu'il va peut-être mourir dans 3 mois. Vraiment des choses incroyables, mais ça se passe encore. Hein. Mon fils, aujourd'hui, il le vit bien. Il a une copine depuis 3 ans. Et là, ça va bien. J'ai 21 ans et je suis atteinte d'un névus géant congénital, donc à 80% du corps. Et j'ai été opérée 23 fois en fait pour retirer la plus grande partie que j'avais. Le groupe des aînés, c'est en sorte en fait d'essayer d'accompagner les plus jeunes qui sont atteints, donc pour les aider à mieux apprécier leurs différences et permettre aussi au regard des autres leur apprendre en fait à pas en avoir peur et pouvoir en fait en parler plus facilement. Et comment nous, en fait, on y est arrivé, on pouvoir leur transmettre nos impressions et nos vécus. En fait. Enfant, ça m'a apporté surtout le fait d'avoir des enfants comme moi, en fait. Donc me dire, je suis pas toute seule à avoir ça. Et là, maintenant, plus grande, ça m'apporte aussi un soutien en me disant, c'est vrai que maintenant, je suis grande et je vais pouvoir, moi, apporter du coup aux autres ce qu'on m'a apporté ici. Donc le soutien et le fait de pouvoir être entourée de famille et tout ça. Aussi le soutien pour ma mère et mon père, qui les a beaucoup aidés.
je suis la maman de Thaïs qui a maintenant 3 ans et demi, qui est atteinte d'un effusion congénital. Donc on l'a découvert à sa naissance, donc j'ai accouché à l'hôpital d'Orléans et surprise, elle avait une tâche on va dire. Et du coup les médecins ne savaient pas ce que c'était, ils nous ont parlé de névus mais ils ne savaient même pas si c'était une maladie, enfin elle avait une tâche, un névus mais alors, on ne nous a pas expliqué, personne ne savait ce que c'était. Donc ils se sont renseignés dans les hôpitaux qui étaient un petit peu plus perfectionnés, on va dire. Et donc on nous a dit qu'elle avait un effusion congénital. Donc on s'est tout de suite renseignés. En tapant sur Internet, on a découvert l'association ANGC, donc l'association du effusion congénital. Et grâce à ça, on a été en contact avec plein de familles qui nous ont apporté leur soutien, voilà, qui nous ont expliqué ce qu'était le névusgéant congénital. Ils nous ont guidés, orientés, répondu surtout à toutes nos questions et surtout rassurés, j'ai envie de dire. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut faire confiance aux médecins. Et nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est l'association. Ils ont répondu à toutes nos questions, nos interrogations et ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Je suis une personne atteinte d'un effusion congénital. Depuis ma naissance. C'est vu que le congénital, c'est que ça se forme pendant la grossesse, au moment de la formation des chromosomes. Enfin, c'est un problème de chromosomes, on va dire. Donc moi, de 1997, quand on a découvert l'association, à aujourd'hui, j'ai quasiment participé à toutes ces rencontres. Et aujourd'hui, voilà, maintenant je suis maman, je suis mère de famille, donc je le vis autrement, mais en étant maman même, je me rends compte de tout l'intérêt que représente une association quand on est parent atteint d'un enfant atteint. Je pense qu'après, chacun le vit comme il le veut, mais je pense qu'en tant que parent, on a besoin d'échanger et de rencontrer d'autres parents qui ont été confrontés à la même expérience et également pour leur enfant. Il est important de ne pas le laisser seul et à penser qu'il est seul atteint de cette maladie et voir qu'il y a d'autres enfants, d'autres adultes qui également ont un effusion congénital. J'ai une petite fille qui va avoir 9 ans bientôt et puis qui n'est avec un effusion congénital géant au niveau de la jambe. Donc elle a toute sa jambe gauche qui est un effusion géant congénital et puis après c'est un petit peu comme on dit dalmatien partout. Donc depuis l'âge de 1 an, elle se fait opérer tous les ans. Petite opération, enfin petite entre guillemets, hein, c'est quand même pas tout simple tout ça. Quand ça nous arrive, c'est un choc, évidemment. Mais c'est un choc qui, en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est vrai qu'à la naissance, ça fait quand même... Il y a un petit quelque chose qui se dit en nous. Bah, pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Pourquoi ma fille ? Pourquoi notre enfant ? Et puis, c'est la vie qui veut ça. Donc j'explique à ma fille que si elle était née comme ça, c'est parce que voilà, ça devait se faire comme ça. Et je lui ai parlé du dicton, qui dit grain de beauté, qui dit beauté. Donc je lui ai dit, plus tu en as, plus tu es jolie. Donc depuis qu'elle est née, je lui dis qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle doit vivre avec ses grains de beauté, qu'elle doit surmonter tout ça. Et maintenant, elle s'expose en short, en jupe. On est passé au-delà de tout ça, mais beaucoup grâce à l'association. Voilà. La première conférence était il y a 4 ans, j'avoue que j'étais extrêmement intimidée et puis j'ai surtout été extrêmement touchée par les réactions des familles dans la salle. Et là j'ai mesuré que c'était important en effet de témoigner puisque j'ai une double casquette, je suis à la fois médecin et je suis à la fois porteuse d'un effusion congénital. Et quand j'ai vu toutes ces familles et surtout l'apport qu'on pouvait, en transmettant les stratégies de coping qu'on avait découvertes avec le professeur Vabre et le docteur Ezer Etchevert, j'ai vraiment mesuré l'importance de cet investissement au sein des associations. Voilà, ça a vraiment été le point de départ, je pense. Et beaucoup, beaucoup de plaisir à les retrouver tous les ans et à partager tous les projets qu'on développe. Et finalement, c'est un peu c'est eux qui sont un peu nos moteurs et nos stimulants. Alors, la BD, ça a été une grande aventure qui a demandé quand même 2 ans de gestation. Pourquoi la BD ? Parce que je pense que c'est un outil ludique, facile d'utilisation. Les stratégies de coping, quand on dit coping ou stratégie d'ajustement social, on a envie de prendre ses jambes à son cou, je pense, ça fait un peu peur. Pour élaborer cette BD, on a réuni toute une équipe, à la fois de professionnels, mais également de familles, et puis de créatifs. Et c'est vraiment la confluence de ces trois entités qui a permis la création de cette BD assez originale. Et puis on a beaucoup travaillé avec les familles au travers des moyens du réseau social, d'un groupe fermé Facebook.
Et donc, ils ont été partie prenante du début à la fin. Et voilà. Donc, c'est vraiment une œuvre collective. Et ça, on y tient. Et on est très heureux et très fiers et très heureux de la présenter aujourd'hui devant la NGC. Il est vrai que même s'il y a peu d'équipes de recherche qui travaillent par rapport à d'autres affections, malgré tout, je pense qu'il y a une recherche qui est très dynamique dans le névus géant congénital, qui a abouti quand même à des connaissances intéressantes et qui peut éventuellement même déboucher, même si ce n'est pas encore le cas, sur des progrès thérapeutiques. Ouais, le maître mot de l'association du névus géant congénital, c'est l'échange, le partage et l'amitié. Nous, on dit souvent, enfin, il y en a beaucoup qui le disent, c'est presque comme une deuxième famille. Moi, si je suis revenue dans l'association, j'avais envie de prendre du recul. Si je suis revenue, c'est parce que j'ai des amis dans cette association et des gens dont je sais qu'ils vivent le même genre de choses. Et l'effort qu'on fait en ce moment pour faire connaître l'association, c'est pour permettre à d'autres familles de bénéficier de ce bienfait dont nous avons bénéficié auparavant. Et moi, maintenant, je vois ma fille comme si elle n'était même pas atteinte, comme si de rien n'était. Et n'ayez pas peur et faites-vous confiance. Je crois que c'est ça surtout qui est important. Voilà.